Ce vendredi 9 septembre 2022, Delphine Vespizer a animé avec brio le 6 à 7, sur C8. Mais son look a eu le mérite d'interloquer Jean-Pascal Lacoste, comme d'autres chroniqueurs de touche pas à mon poste, Delphine Vespizer a bel et bien fait sa grande rentrée sur C8. Au fil des années, l'ex-reine de beauté a su se démarquer avec panache. Ses prises de bec avec le reste de l'équipe sont devenues légendaires. On peut dire que la principale intéressée n'a pas sa langue dans sa poche. Au quotidien, la chérie de Roger utilise sa notoriété pour défendre la cause animale. En parallèle, elle a plusieurs fois sensibilisé l'opinion publique sur le véganisme. Le 7 septembre 2022, la jolie brune a d'ailleurs défrayé la chronique en évoquant le menu 100% végétarien proposé dans les cantines à Grenoble. Une idée qui n'a pas vraiment fait l'unanimité sur plateau de Cyril Hanouna. De son côté, Delphine Vespizer a été totalement conquise par le projet. Je trouve que c'est une avancée, qu'il est, Éric Piolle, le maire, NDLR, précurseur. J'espère que dans 10 ans ça sera partout comme ça, a souligné la jeune femme. Je suis devenue végétarienne à l'âge de 4 ans. Donc je peux prouver qu'on n'a pas de carence, que c'est réussi. J'adore ta tenue de garagiste, une information qui n'a laissé personne de marbre. Qui a pris la décision? S'est interrogé Cyril Hanouna, choqué. Bah moi, a répliqué l'acolyte de Guillaume Janton. Ce à quoi le présentateur a répondu perplexe. Vous n'avez pas mangé de viande depuis 26 ans. Non, j'ai décidé envers et contre tous, a confié Delphine Vespizer non sans fierté, ce vendredi 9 septembre 2022. Elle était aux commandes du nouveau numéro du 6 à 7. Pour cette nouvelle édition, la star a misé sur un ensemble branché gris qui lui allait à ravir. Mais Jean-Pascal Lacoste n'a pas pu s'empêcher de lui lancer une petite pique. J'adore ta tenue de garagiste. Tu as ta place dans un garage. Une boutade qui a amusé toute l'assemblée.